Bonjour ami pêcheur, bon, ben me revoilà la pêche sur mon plan d'eau. Le niveau est toujours aussi bas, c'est pas les 3 gouttes qu'il a tombé hier qui a fait changer quelque chose. Après il fait un peu moins chaud, on est à 27 degrés. J'ai pas vu de saut, j'ai vu quelques bulles. Bon, ça pêche. J'ai pris le temps d'installer mes cannes. Donc, sur cette canne là, je vais finir mes bouillettes de chez Nash, je vais continuer, la fraise, je sais que de toute façon la fraise ça marche bien ce poste là, donc je continue avec ça, ces bouillettes de chez Nash. Sur les deux autres, j'ai forcé un peu plus sur la coriandre. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de ma coriandre. Ma bouillette fétiche. Donc j'ai refait les billes, donc j'ai changé un tout petit peu la recette. Je vous mettrai l'ancienne, je voudrais mettre le lien là. J'ai changé un peu ma recette. En fait, j'ai rajouté de la farine de pain d'épices. Parce que je me suis rendu compte qu'en mettant un peu de farine de pain d'épices dans ma bouillette, elle diffuse beaucoup plus vite, elle se délave beaucoup plus vite. Donc elle sent tout de suite. Après, c'est pas des billes qui font 4-5 heures. C'est des billes qui font 3 heures. En plus, elles sont petites. Donc voilà. Donc je ferai les deux. Si je fais des pêches un peu plus longues, je ne mettrai pas de pain d'épices. Et si je fais des pêches courtes, je préfère le pain d'épices. Je me suis rendu compte que ça a activé quand même ma bille. Et autre chose, j'ai refait des petits pelets. Voilà, je les mets au milieu de ma chaussette. Je casse une bille, je mets mon pelet, je ferme ma bille. Hop, j'en fais tout, j'en fais une chaussette et j'envoie tout. Donc, on repart dans mon hangar et je vous montre comment je fais les pelets. À ma sauce. Après, voilà, ça plaît pas, voilà, c'est comme d'hab. Hein. Moi, je vous montre juste comment je fais. J'en fais pas des grandes quantités, vous allez voir. Et voilà. Je vous donne ma recette pour faire des petits pelets. Coriandre. Bon, ben c'est parti. Allons-y pour faire les pelets. Donc moi, je vais vraiment en faire une minuscule quantité. Donc voilà, ça je considère que c'est une part. Donc une part de chenille. Une part de graines à canari. Je broie. Une part de coriandre. Une part de fécule de maïs. Une part de semoule de blé. Demi-part de farine de blé.
Et moi, pour compléter la chose, au côté épices, je rajoute une demi-part de paprika. Et encore une demi-part. À fond. On mélange le tout. La partie farine est prête. Liquide. Une cuillère à café de l'huile. Après, moi je mets de l'huile de chènevi. Une cuillère à café sucre de canne. Une cuillère à café rhum. Un petit peu d'eau. Et on mélange le tout. Et si vous voyez que c'est trop sec, on va rajouter un peu d'eau. C'est pareil, y aller à tâtons, hein. Y aller doucement. Donc ça reste une pâte. Le mieux c'est de la laisser reposer une heure. Il durcisse un peu. Bon, je reprends après. Bon ben voilà. Donc maintenant, pas besoin du pistolet. Hein. J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et mes premiers pelés. Après, le diamètre, c'est en fonction de ce que vous coupez sur votre buse. Ce qui va changer, c'est le temps de séchage. Plus ils sont fins, plus le séchage est rapide.
après la pâte, si vous voulez pas la finir, si, voilà, quelle raison, vous pouvez l'utiliser en tant que pâte d'enrobage. Elle se conserve bien, vous le mettez dans la cellophane, vous la fermez bien, vous la mettez au congélateur et vous la ressortez quand vous voulez. Bon, maintenant on va parler cuisson. Ça se cuit à la vapeur, on peut pas les mettre dans l'eau. Donc moi j'ai pas de machine à vapeur, donc j'ai trouvé une petite astuce à ma manière. Donc je les regroupe tous dans mon panier. En évitant qu'ils se touchent. Bon, c'est tout simplement un panier de couture. Hein. Voilà. J'ai mis vraiment un fond d'eau dans ma casserole. Je vais porter à ébullition. Voilà. Donc le but du jeu, c'est qu'il ne trempe pas dans l'eau. Il faut 10 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais le lever pour voir comment ça se passe. Et 10 minutes de cuisson à la vapeur. Parfait. Allez, dans 5 minutes. Et puis ça sera bon. Bon ben voilà. Plus qu'à les laisser sécher, minimum 24 heures, c'est bien. Voilà. Bon, ben j'espère que la recette vous a plu. Après le séchage, il ne restera plus qu'à les casser en petites miettes. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez 1 cm, 2 cm, c'est à vous de voir. Même les diamètres, c'est à vous de changer. C'est juste le temps de séchage qui changera. Donc voilà. Ben, si la recette vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Puis j'espère vous reprendre avec du poisson. Ben voilà, la coriandre est paye, hein. Je vous l'ai dit. Je vous ai donné toutes mes astuces. Au niveau de la coriandre, c'est pas mal. Après, si vous voulez faire un stick mix, vous craquez 2-3 bouillettes, vous broyez un peu du pelet et voilà, vous faites vos stick mix comme ça aussi. Hein. Bon, je vous présente un super beau poisson. Super content. La coriandre, ma bille préférée. Bon, je la remets vite à l'eau. 6,5 kg, elle fait. C'est pas une grosse, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Super. Voilà, super bébé. Bon, qui se laisse pas faire. Bon, je la remets vite à l'eau. La prochaine poisson peut-être. Bon, ben, il est 9h moins le quart, il est temps pour moi de commencer à ranger. Bon, ben voilà. Encore 5 minutes de pêche, donc on va faire un petit bilan. Bon, je vous ai tout dit, mes petits secrets sur ma coriandre, ma façon où moi je la pratique. Donc la bouillette, moi j'aime bien mettre du petit pain d'épices quand c'est pêche courte.
Après, sur les pelets, voilà, après, si vous changez des choses, il y a moyen. Hein. Moi, je, voilà, c'est ma façon, c'est mon idée. Après, il y a sûrement mieux, mais bon, voilà, ça marche. Hein. La preuve, hein, j'ai encore fait un poisson. J'ai commencé à 19h, il est 21h de départ. Là, j'en ai loupé un. J'ai eu une touche à retour, je ne sais pas pourquoi. J'ai ferré, il n'y avait rien du tout. Bref, oh, c'est pas grave. Moi, j'ai fait un super poisson, je suis super content. Donc, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est des petits pouces, hein, si la vidéo vous a plu. Après, j'ai d'autres secrets sur d'autres petits trucs, mais bon, la coriandre, c'est vraiment une de mes billes préférées. Donc, je vous dis d'aller à la pêche. Et à une prochaine vidéo.